Alors, j'ouvre ce vlog. Nous sommes encore mardi. Un truc comme le 20, entre le 24 et le 26. Mardi 24, 25 ou 26. Je me suis rendu compte dans le dernier vlog, parce que vous m'avez posé la question. Alors, concernant deux choses. Déjà, le bouquin, savoir si j'avais réussi à l'échanger. Donc, non, parce qu'en fait, elle avait besoin du jour et de l'heure quand je l'ai acheté, en fait. Et je me souviens plus. Donc, j'y réfléchis encore. Et elle m'a dit, là, oui, vous pourrez l'échanger. Sinon, il y avait autre chose. Oui, vous m'avez demandé aussi pour mes cheveux, comment se fait-il? On n'a pas compris. C'est fou d'être essoufflée comme ça. J'ai pas dormi. Ça fait deux nuits que je me lève à 5h30. Donc oui, pour mes cheveux, bah, la dernière fois, la coiffeuse qui s'est occupée de mes cheveux n'était pas là. Et elle m'avait dit, il faut passer mardi. Donc aujourd'hui, pour qu'elle regarde. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai l'impression que c'est décousu, là. Non? Je parle de plein de choses en même temps, j'ai envie de vous dire plein de trucs. Je vais mettre mes lunettes de soleil, la luminosité me gêne. Et il est probable que vous trouviez que j'ai une petite tête, ce qui est normal. Parce que comme je vous ai dit, ça fait deux matins que je me lève à 5h. Enfin même à 3h. J'essaie de me rendormir, ça marche pas, donc je me lève vers 5h30. Donc forcément, me couchant tard également, j'ai genre 4h de sommeil, 4h30. Et bah, je suis fracassée, je suis crevée. Alors le côté cool, c'est que le matin, je suis hyper productive, je fais plein de trucs. Mais l'après-midi, il n'y a plus personne. J'ai perdu le fil. Le fil. Oui, il m'arrivait un truc hyper flippant. Et je vous ai... Oui, vous savez, j'ai un traitement que je dois prendre pour ma hernie, mon RGO, reflux gastro-œsophagien, pour limiter la production en fait, d'acidité dans le corps. Donc ça... Ça m'embête en fait de devoir le prendre en 40. 40 c'est le plus fort, sachant que je dois le prendre genre tout le temps. Et je me suis dit, pourquoi tu n'essaierais pas de diviser la dose, donc prendre du vin. Et je l'ai fait pendant 4 jours, 5 jours. Et pendant la nuit, et ben je me suis étouffée très violemment. J'ai eu une brûlure intense au niveau de la gorge, au niveau d'ici. Je suffoquais, je pouvais plus respirer, donc forcément ça engendrait quoi? Une crise de panique. J'ai réveillé Eric, je pouvais plus, ça a duré une heure où je... J'ai cru que j'allais crever, mais une angoisse. Et du coup j'ai pas du tout percuté, pas du tout sur le coup, je me dis tiens, comme si tu vois, voilà, fausse route. J'ai avalé de travers dans la nuit, ça faisait vraiment cette sensation, mais où tu peux plus du tout reprendre ton souffle. J'ai appelé mon médecin et je lui ai surtout dit que j'avais diminué mon dosage, je me dis oh là là. Surtout pas, ça veut dire que vous êtes plus, c'est plus sous contrôle. Et bah c'est normal. C'est en fait, c'est une production depuis 4-5 jours où j'ai diminué, beaucoup trop importante. Et ce qui fait que c'est remonté, et ça fait ça quoi. Il m'a dit, c'est pas grave en soi, ça fait très mal, c'est flippant, mais ça veut dire que je peux pas diminuer le traitement. Je suis dégoûtée. Voilà, donc sachez que les personnes qui sont sous traitement comme moi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, et qui veulent les diviser, faites attention. Vous pouvez avoir des petites surprises dans la nuit, c'est waouh, impressionnant. Tu sais, cette sensation que dans la trachée, et c'est pour ça que je suis explosée, que dans la trachée, tout se referme, et que t'as plus ce filet d'air. Bon, je parle beaucoup. Donc voilà, là je vais chez le coiffeur. Et je vais surtout après à la supérette parce qu'on n'avait plus ce matin, on était comme deux cons à 5h50 au moment où on a déjeuné. Parce qu'Eric se lève très tôt aussi quand il commence, même à 9h. Il aime bien avoir 2-3 heures devant lui. Donc vu que c'était la rentrée pour lui hier, je me suis dit bon, par solidarité, je vais me lever aussi. Et on n'avait plus de petit déjeuner, plus rien du tout. Les boules. Donc là ce matin, je vais à la supérette, je vais prendre ce qu'il faut. Je passe aussi à la pharmacie pour... Pourquoi déjà? Je ne sais pas, mais il faut que j'y passe. Et ça sera déjà pas mal. Et ce matin, comme je vous ai dit, mais tellement contente de... Je me suis mis au boulot, donc réveillée à 1h, le temps de déjeuner vers 6h20. J'ai traité tous mes mails. J'ai fait tout le flyer de la box de mai. On en parle de la box de mai. Je ne sais même pas si je vous ai donné le thème. C'est la somptueuse, chic, produit, luxe. Et oui, elle est en commande là. Elle est en commande jusqu'au 10 mai. Inutile de vous dire que ça va être le cadeau idéal à faire pour la fête des mères ou à se faire. J'adore. Et je suis en train de contrôler donc toutes les prods qui sont en préparation depuis déjà 2 mois, pour vous dire. Parce que là, on est sur des choses, de la minutie. Vous allez voir le détail et les trucs. Ne passez pas à côté. C'est trop beau. Bon, je vous laisse parce que j'arrive devant mon salon de coiffure. Comme je vous dis, ce n'est absolument pas prévu. C'est chez Crooner.
Impeccable. Bon, bah j'ai rendez-vous dans deux jours, deux, trois jours. Allez-y, monsieur, le bordel, sa caisse. Il va perdre des pneus, lui. Ouais, donc elle a dit, ah oui, effectivement. Tu vois, on n'a même pas dialogué. Elle me dit, oui, effectivement, bon, on va faire des petites retouches. Faisons des retouches, je vais me faire écraser, bon sang. Et encore, là, ils sont lavés d'hier. Mais alors, quand ils ne sont pas lavés, c'est encore plus visible. Je ne vous filme pas. Ah, que c'est drôle. Ça me revient, donc c'est un petit sirop à base de plantes pour, comme j'ai agressé ma trachée avec mon étouffement de la nuit et bah, du coup ça a provoqué des quintes de toux forcément quand tout est irrité, donc je vais prendre un petit sirop antitussif. Et à côté nous avons un petit Nocibé, c'est pas comme si j'avais été assez faux. J'ai pété mon crayon à lèvres, mais pété de chez pété. Je suis dégoûtée, ça le fait souvent ça. Le bout, bah, il s'est détaché et il s'est écrasé et résultat j'ai plus de contour et moi j'aime bien mettre un petit contour que j'utilise même en comblement, enfin sur l'ensemble de la lèvre. Je sais que chez Nocibé il y en a des sympas, pas chers, qui sont de la marque d'ailleurs Nocibé. Ouais, voilà. Bon, j'ai trouvé mon sirop, c'est pas le même, Phytoxyl, ils en avaient plus, mais c'est pas grave, et puis des pastilles pour bah, la gorge qui est irritée. Et j'ai trouvé mon contour et j'ai même pris ma recharge de fond de teint poudre. J'ai terminé mes achats. Dans une boulangerie. Oh, ils ont l'air bon, les sandwichs. Non, regardez, je manque à dire ça. Bon, je me suis retapé une quinte de toux, vu que ça s'est irrité quand j'ai eu ce qui s'est passé dans la nuit. J'ai pris tout de suite un machin, ça m'a fait du bien. J'en ai mal dans le dos. J'espère que je ne suis pas décollée la pleuvre. Oh la vache. Ça va toi, ça va? Ah, mon jaquette. Mon jaquette. Voilà. Je vous montre. J'ai pris des sandwichs, hein, du coup, j'ai pas craqué sur les pâtisseries. On va se calmer un peu. Oui, je prie rien de. J'ai demandé sans maillot. Oh, ça m'écoeure le maillot dans les sandwichs, j'aime bien. Alors, tout ce qui a plus lambda, du fromage, de l'emmental et du jambon. J'aurais préféré du poulet, j'aime pas le jambon. Mais j'en ai pas trop. Enfin, si, il y en avait, mais bourré de maillot. Donc, non merci. J'ai pris quoi? Bon, même si on s'en fout un peu, des craquettes. Ça, c'était la supérette. Hein. Ça, pour le matin. Pour Eric surtout, je lui... Enfin, il se les grillait. J'ai pris quoi d'autre? Du chavreau, parce que j'en prends matin, midi et soir, goûter. Presque, coton. Mozzarella. Et quoi d'autre? C'est tout, hein. Je crois que c'est bon. Ça, ça va me sauver. Le sirop qui va me faire du bien. Et ça, Phytoxyl. Alors c'est drôle parce que c'est le format sirop que j'avais, ils n'ont plus, mais j'ai pris donc les pastilles, je peux en prendre jusqu'à 8. Et je me suis pris en pharmacie, je n'avais plus également de démaquillant, donc j'ai pris l'eau micellaire Avène sans rinçage. Voilà. Bon, je range tout et je retourne à mon bureau, il est 11h12. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Un look ce matin. J'ai un peu pris ce qui me passait sous la langue. C'est pour être tranquille à la maison. J'ai oublié de vous montrer. Je vous dis, le manque de sommeil. J'ai failli mettre d'ailleurs les cotons au frigo. Ça aurait pas été gênant. Je vous montre quand même ce que j'ai pris. Donc mon crayon à lèvres. C'est un peu un... C'est une Nocibé. Hein. De la marque Nocibé. C'est bois de rose. C'est pas écrit bois de rose, mais... C'est le palissander. Ça, I'm happy, très contente ce soir. Ciselé, s'il vous plaît. Et j'ai eu également un autre. Et ça, c'est la recharge. Et j'ai pris donc uniquement la recharge parce que j'ai déjà le boîtier, c'est quand même moins cher. Je vais le mettre tout de suite, mon contour des lèvres, comme ça vous allez voir. Et bien, il est parfait, j'aime beaucoup, donc modulable. On voit quand même la différence hein, avec et sans, je trouve. Ah, il me plaît, contente. Ce qui est cool, c'est que j'ai eu 25%. Ce qui vaut vraiment le coup, je l'ai payé au lieu de 49, c'est cher, hein, 49,90€. En plus, c'est que la recharge, donc imaginez le boîtier, ça doit être du 50, voire 60. Donc, je l'ai eu à 37. Alors oui, vous allez me dire, c'est cher, mais franchement, ça dure très longtemps. Il est top, hein. Regardez, automatique et sublimateur de peau. Teint compact, il est génial, il est top. Si vous en cherchez, alors bien sûr faites avec votre carnation, moi c'est le 30, pour moi c'est ce qui convient le mieux, mais si vous en recherchez un qui fasse une jolie peau,
foncé. Il est 13h30, on s'est dépêché là ce midi parce que il y a des jours comme ça, notamment aujourd'hui le mardi, Eric, genre il finit à midi les cours, midi 5 même, donc le temps d'arriver, et il reprend à 13h, genre 13h05, donc hyper rapide, c'est pour ça que j'ai pris des sandwichs qui étaient d'ailleurs très bons, genre il est arrivé, pam, tiens sandwich, tu manges, café, petit chocolat et ciao. Et là, je viens de passer la commande pour les cartons, parce que je me suis rendu compte qu'il me restait plus que 90 cartons pour la box de mai, donc forcément il va m'en manquer beaucoup. Donc je viens de relancer, en plus c'est rapide, hein. C'est Raja moi que je fais, enfin je fais appel à Raja, et je les reçois en 48 heures, donc c'est parfait. J'ai passé une autre commande, ah bah oui, les scotch, ça c'est fait. J'ai acheté, je voulais pas montrer. Ça, je l'ai acheté où? Dans un magasin de bricolage. C'est l'appareil quand je scotche, parce que je le faisais à la main, moi, avant, le scotch, machin, tu vois, c'était chiant. Et là, j'ai l'appareil, il marche trop bien. Ça se coupe automatiquement, clac, 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 et hop, c'est un gain de temps. C'est du délire. Je vous ai pas montré également, enfin si vous me suivez, vous avez vu. Donc, j'ai fait une vidéo pour cette marque, Bénu Blanc, en fait, ils m'ont demandé, ils ont voulu que je représente leur marque et que je teste le produit. Donc, c'est pour ça que vous avez vu la petite vidéo qui est sur leur site, je crois que ça va être aussi sur Nocibé, enfin, trop contente. Oui, j'ai été rémunérée, j'ai été payée, c'est mon travail, mais je vous assure que ce soin, c'est un soin haut de gamme, hein. 99 euros quand même, donc contour des yeux. En fait, il y a toute une technologie autour de ces produits, c'est canon. Mais vraiment, si vous avez l'occasion, allez faire un petit tour sur leur page. Alors moi, j'ai aucun problème à parler de ça, que j'ai été rémunérée. Pour moi, c'est le cheminement normal de toute activité. Après, je vous dirai pas combien, c'est un beau partenariat. Mais c'est pas la vidéo, tu te poses, t'appuies, tu fais. Non, il y a beaucoup de boulot derrière, ça m'a pris beaucoup de temps, la réflexion, machin, les cadrages, les trucs, ce que tu vas dire, la lumière, les vêtements. C'est du vraiment de la précision. Et si vous voulez voir déjà un extrait, je l'ai mis sur mon Instagram, donc vous verrez, de toute façon, vous la retrouverez tout de suite, donc je vous le mets ici, mon Insta, parce que je suis quand même pas mal présente. Aussi, si vous voulez voir vraiment tout avec les explications, vous allez sur le site de Bénu Blanc. Et je me dis que vous n'avez pas vu Jack, et je me dis surtout qu'il est derrière. T'es mignon. Vous savez pourquoi il est épuisé? Parce qu'en fait, il suit mon cycle. Surtout le mien, c'est pas celui d'Eric, parce que c'est un peu moi qui le nourris, donc forcément, je suis sa référente. Et vu que, comme je vous ai dit, je me lève très tôt, c'est saccadé entre les 3h du matin et 5h, lui, pareil. Et du coup, monsieur est fatigué. Il avait les cernes ce matin. Alors, vous savez ce que je vais faire tout de suite maintenant, tout de suite? Je vais me faire la petite infusion avec un peu de gingembre. Et ça va me faire beaucoup de bien. Et je vais me mettre au montage. Parce qu'après, toute l'après-midi, à partir de 16h jusqu'à 18h, j'ai des rendez-vous. Ce qui veut dire que je vais avoir beaucoup de mal à faire le montage parce que je vais être prise à fond. Ce qui veut également dire que, vous l'aurez compris, je crois que ce vlog était quand même long. Je vais arrêter maintenant pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire et notamment vous publier ce petit vlog. Voilà, vous avez vu, je fais des efforts pour en mettre un petit peu plus. Non, j'espère que ça vous aura plu et j'ai hâte de continuer. De toute façon, je vous montrerai quand je ferai les cheveux, tout ça. J'ai rendez-vous quand? En fin de semaine, donc je vous montrerai. Et puis, s'il se passe des trucs sympas ou même pas ça, je vlog. Allez, ciao.